kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole Rat Pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town. Salut bande de ratchats, est-ce que je vous ai manqué? Non! Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Moi par exemple, j'adore lancer des bananes explosives sur des enfants de 5 ans! Oh oh! Au sang vivant, putain! Ouais bah moi ma passion c'est le Monopoly, j'adore faire des... Mais ta gueule, putain! 2000 euros la rue de la paix, t'appelles ça une passion? Des mecs qui pratiquaient les arts martiaux avec assiduité, j'en ai connu, mais eux ils ont juste l'air de s'en battre les couilles! Cette pratique plutôt douloureuse liée au kung-fu s'appelle... The Iron X Skill. Ce qui ferait un très bon nom pour un groupe de métal, littéralement la technique des œufs d'acier. Et cela consiste en des années d'entraînement, car il est vrai qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Un proverbe dit que si tes couilles n'explosent pas après que tu les aies frappées, c'est que tu as du bol. De riz. Retrouvez les meilleures imitations de Jean Damien Raciste tous les samedis au théâtre du Petit Enculé. Moi j'aime beaucoup manger des bananes, écouter du tam-tam toute la journée là. Jean Damien Raciste et son nouveau spectacle que les critiques surnomment déjà le pire spectacle de tous les temps. Qui mange toute la journée des fajitas, des chili con carne. Jean Damien Raciste, seulement 88 euros le DVD, waouh. Achète-le. Mais qu'on essaye pas de me faire croire qu'à la fin de cet entraînement, ça ne fait plus mal du tout. Il est clair que cet homme est en train de mourir à l'intérieur. Sérieux, encore un coup et sa tête explose. Frappe-moi dans les couilles et dis-moi que tu m'aimes. Putain, mais c'est tout de même incroyable que peu importe sur quoi je tombe sur Internet, il y a toujours son pendant sexuel. C'est quoi la prochaine étape? Les nourrissons? Quels sont vos principaux fantasmes? Et apparemment, pour que cette technique fonctionne, il faut la pratiquer depuis sa plus tendre enfance. Allez Kevin, premier cours de Kung Fu. Oh, allez, pleure pas, petit pédé, c'est ça la vie. En plus, après, il voulait sortir fumer et tout. C'est pas possible. Il avait plus de club, du coup, il a ça. Attraper toutes ces méchantes MST. Non. Pour ne pas choper la ch'touille, transforme tes couilles en ratatouille, ouais. Je suis pas certain que cette histoire de MST touche vraiment les jeunes enfants. Le fait de porter des couches pour adultes. Exact. J'ai tout de même du mal à croire que tout ceci fonctionne réellement. Au pire, il y aura des dommages collatéraux. Vous ne prendrez pas notre virginité. Dans le plus étrange des cas, je me demande ce que produisent des testicules qui sont aussi durs que de l'acier. Un homme s'étant pris de sévères torgnoles dans les testiboules depuis sa plus petite enfance doit être résistant à toute épreuve. Mais il doit y avoir parfois de sacrés problèmes de crédibilité. Faut pas me chercher moi, sinon je vous préviens, ça va chauffer, ok? C'est vrai que ça a beaucoup moins de prestance que de débarquer et de dire je suis... John Cena. Les mecs de la vidéo sont tout de même ultra au taquet, je découvre moi-même des techniques que je ne connaissais pas. Comme par exemple le fait de se pincer très fort ses jolis tétons pour concentrer son pouvoir. Donne-moi tout ce que t'as. Jean-Claude, Pedro, à vous de jouer les gars. Mais je me pose tout de même la question, si tu possèdes un vagin, est-ce qu'il s'agit de la même technique pour te rendre insensible à la douleur? Allez les filles, on passe à l'entraînement! Pratiquer ceci au quotidien doit faire partie d'une étrange routine matinale. Alors moi le matin, je prends mon petit déjeuner avec un grand bol de céréales, je me brosse les dents, un bon pipi, je me défonce les couilles à l'aide d'une bonne barre de fer parce que j'ai été un vilain petit garçon. Et c'est parti pour une bonne journée de travail. Au final, ça fonctionne assez bien. C'est dingue ce... Attends, faut que je vérifie un truc. Ah, c'est bien. Pas de couilles, pas de gosses, plus de cash. Pas de couilles, 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 couilles, plus de cash. Pas de 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 couilles, couilles, plus de cash. Le jump cut. J'adore manger le caca de mon papa. Et à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'aime pas le Nutella, il est en mode... Ouais, c'est exactement comme ça que je vous entends, bande d'enculés. Putain, mais combien de fois dans ma vie j'ai entendu? Alors moi, ma religion, c'est le Nutella. Moi, quand je vais aux toilettes, je ne tire pas la chasse, je laisse la porte ouverte, puis je mets un ventilateur derrière pour tout diffuser dans la maison. Tu veux sortir avec moi? Impressionnant, n'est-ce pas? Si toi aussi tu veux choper sur des sites de rencontres tels que Tinder, Mythic, Adopte un Mike ou même Badou si tu as plus de 60 ans, nous écrivons à ta place la description de ton profil. Quand on m'embrasse, je ne peux m'empêcher.
m'empêcher de penser à ma grand-mère morte. Ouh, incroyable. Ça fonctionne vraiment. Je me sens obligé de me moucher à chaque fois que je fais un cunilingue. Qu'attends-tu? Rejoins-nous sur www.cesoirjevaisdurcir.gouv. Audacieux. J'aime bien les bananes. Oh non! Oh, pas dans la bouche, c'est dégueulasse! Putain! Et oui, le fait de se recouvrir de nourriture est un fétiche, bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Tu fais la cuisine à 1h du matin, toi. Mais non, pas du tout, je vais juste me branler et faire un petit dodo après. Je suis chaud pour un petit goûter, moi, maintenant. Je suis chaud, 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 chaud. Papa, j'ai plus faim, je peux sortir de table. Bien sûr, mais surtout n'oublie pas que... Si tu ne veux pas finir ton assiette, au lieu de tout mettre à la poubelle, branle-toi dedans, tu verras, c'est chouette. Surtout dans la tarte à la Mirabelle. La tarte à la Mirabelle, le dessert autrement. Existe aussi en version tartelette pour les enfants. Bon, pour votre angine, je crois que je vais vous prescrire... 450 milliards de kilos de miel. Certains doivent avoir les boules de voir tout ce miel totalement gâché. Donc, il te manque un pot de miel? On va t'aider à le retrouver, Winnie. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Eh bien... Est-ce qu'avoir une queue m'aiderait à mieux trouver du miel? Ça, je te le garantis. On est les bananes et on vous baisse. Marc, on nous confond avec des bites. Même dans Mario Kart, on vous casse les couilles. On est les bananes et on vous baisse. Chouchou les rageux, on vous encule. Gangster Banana, qu'est-ce que tu vas faire? Les fruits et légumes, les révolutionnent. On est les bananes et on vous baisse. Nicolas ? Présent. Samantha ? Présente. Sylvain, Pierre, Durif, Oriana, le grand monarque, comme vert, roi de France, Sylvanus, Merlin, l'enchanteur, Christ, cosmique, Maitreya, le lion blanc, Alkidir, le verdoyant. Présent. Thibaut ? C'est écrit tout petit sur ta carte d'identité, mon Sylvain, j'arrive pas... Me relatant mon histoire, je recherche une équipe pour s'en occuper, pour faire un film genre Rencontre du Troisième Type. Avatar, Seigneur des Anneaux. Oh mon Dieu ! Je me souviens de cette nuit de décembre 1982. Je pensais qu'il ne s'agissait que de simagrer jusqu'à ce que... Oh mon Dieu ! Ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie ! S'en suivit une rencontre inattendue. Je suis roumain ! Mais comment est-ce possible ? Nous sommes à Montréal ! Je sais qui tu es l'homme vert affilié à l'énergie cosmique du Grand Monarque ! Ok... Suis-moi, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Plus les révélations tombaient, plus j'en apprenais sur moi-même. Je m'entraînais tous les jours pour devenir meilleur. Illuminati. Illuminati. Reptilien. Reptilien. Illuminati. Oh. Tu es enfin prêt pour partir sur Aldébaran. Sylvain Durif, au pays du LSD! Les enfants, il est rudement déconseillé de consommer de la drogue. Ouais, enfin, sauf si c'est de la bonne, hein, faut pas hésiter à en prendre un maximum. Moi, par exemple, j'en vends vraiment pas cher. Non, Antoine, 15 euros le LSD, Antoine, le buvard, non, franchement, c'est pas cher. Antoine, on y va! Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu celle-là.